on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme promis, je vais vous présenter le livre que m'avait offert Laurence. Donc voilà, Mystical Lamb Christmas. C'est un livre de Karen Emeyer. Vous m'excusez pour mon accent de... Donc voilà, on va passer plein bureau et je vais vous le présenter tout de suite. Donc voilà, on se retrouve plein bureau pour vous le présenter. Alors pour moi, c'est une découverte, cet artiste. Si vous voulez vous faire plaisir et vous l'offrir, il est au prix de 8,80€ sur Amazon. Il y a toute une collection. Donc voilà, on retrouve au dos quelques exemples. Donc voilà. Il y a beaucoup de livres, il n'y a même pas tout ici. Si vous allez sur Amazon, vous verrez, il y a toute une collection. Et il y a même plusieurs livres. Il y a toute une série, vous voyez, moi c'est le livre 3, Book 3, donc c'est le numéro 3. Donc voilà, je pense que c'est une collection que je vais continuer honnêtement parce que j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur sur celui-là. Ça change vraiment. Donc un gros merci encore à Laurence. Donc voilà, c'est le moment de vous le faire découvrir. Alors vous m'excusez pour le câble qui est là, mais mon téléphone est en charge en même temps. Donc on est sur, sur une couverture cartonnée, on est sur du papier Amazon, hein, mais je me demande s'il n'est pas un peu plus épais quand même, j'ai un petit doute. Je le trouve un peu plus épais moi. Alors c'est peut-être une idée, hein, mais voilà. Donc ici, on retrouve en fait justement toute la collection, on nous explique, voilà. Le troisième bouquin, le deuxième, donc moi c'est cette collection là et on nous explique les autres collections. En fait il y a trois livres par endroit. Donc on tombe sur, j'espère que vous voyez bien, on tombe sur la première page comme ça où on peut la colorer et mettre à qui est le livre. Hop. On retrouve ici tous les endroits où vous pouvez retrouver cet artiste et vous avez le QR code pour retrouver directement l'artiste sur Amazon. Je vais essayer de vous l'approcher. Voyez. Donc bien sûr, elle est sur Instagram et sur Facebook et on vous donne le hashtag si vous le faites. Voilà, vous pouvez partager avec le hashtag qui est précisé ici. Allez. Donc, on a une première page comme celle-ci avec le nom, pareil, on peut la colorier, donc ça c'est super. On nous parle de la petite histoire. Ici, vous retrouvez une petite page test. Alors, je l'ai trouvé sympa, ça change vraiment. Voilà, donc on peut en même temps la colorer, faire ses petits tests ici, on est vraiment libre de le faire comme on veut, quoi. Donc après, on est sur un colo par page. Alors ça, c'est top, ça veut dire que si vous protégez derrière, vous pouvez très bien utiliser des feutres. Donc c'est parti pour la découverte. Alors moi, j'adore perso les personnages. Et comme je vous l'avais précisé dans une autre vidéo, ce que j'apprécie, c'est que chaque illustration a un petit nom. Et encadré dans une petite pancarte en fait, donc j'ai trouvé ça super sympa. Tous les colos ont un cadre en fait, comme celui-ci. Alors ce que j'apprécie vraiment, puisque si vous remarquez bien, quand je fais des colos, souvent je leur fais un petit cadre avec du washi tape ou à la main, ça dépend des fois. Donc, voilà, j'arrête de papoter et je vous fais découvrir le livre. C'est vraiment original. Ah, j'adore. On a aussi bien des intérieurs, de l'extérieur. C'est comme si on rentrait dans un petit village, tout simplement, quoi.
que vous voyez bien? On a la boulangerie. C'est vraiment un petit village avec les maisons. Là, on tombe sur l'hôtel de Noël. C'est vraiment sympa, quoi. C'est même un livre, on a envie de lui inventer une histoire. Une fois coloré, c'est un livre qu'on pourrait limite inventer une histoire pour nos enfants autour de ces images, quoi. Si vous remarquez bien, que ce soit les champignons ou même les arbres, ils ont tous un visage. Et je me demande, j'ai un doute, mais je me demande si les colos ne seraient pas tout simplement en double. Et si, je découvre en même temps en fait, si si. Voilà, donc tous les colos, je ne vais pas vous les remontrer, mais en fait tous les colos sont en double, voyez. Donc ça vous fait une bonne partie d'illustration quand même. Donc, on va avancer un peu les pages, parce que je vous les ai déjà montrées. Tac, tac, tac. Ça, c'est super d'avoir les colos en double. Ça permet de les faire dans une version, puis ensuite dans une autre. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors, d'autres n'aiment pas. Moi, perso, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Bien sûr. Hop, on arrive à la fin. Je vais y arriver avec mes mains. Quelques difficultés en ce moment avec mes mains. Voilà, on a plusieurs pages blanches à la fin. Ça permet de faire des tests aussi. Donc, c'est bien imprimé par Amazon, hein, Amazon Italie. Et au dos, voilà. Donc, on vous explique l'histoire. On vous parle de l'artiste un petit peu vite fait. On vous dit qu'elle aime bien le monde fantaisiste, en fait. Donc voilà, on a les principales collections où dedans vous allez retrouver trois livres à chaque fois. Donc voilà, si vous souhaitez vous aussi vous l'offrir, vous pouvez l'avoir sur Amazon, je me répète, au prix de 8,80 €. De toute façon, je vous mets le lien en commentaire, ben, en description plutôt, comme d'habitude. J'espère que ce petit livre vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et merci Laurence.